Bon, s'il y a des petits nouveaux aujourd'hui, c'est toujours le même principe. Le live se déroule en trois étapes. Donc la première partie, le jeu du portrait chinois. La deuxième partie, c'est les questions Miss. Donc j'en ai et on lira les vôtres. Et la dernière partie, c'est la partie que je préfère, c'est le défi. Et d'ailleurs aujourd'hui, on va vraiment rire sur ce défi. C'est une chose que j'en suis sûre. Donc aujourd'hui, nous accueillons Rose Dubois. Elle a 19 ans. Elle a été élue Miss Pével 2018 et quatrième dauphine à Nord-Pas-de-Calais. Elle a eu un diplôme dans l'esthétique, mais elle s'est vraiment réorientée vers quelque chose d'autre, pardon, dans la biologie humaine et elle aimerait l'enseigner plus tard. Bonjour Dominique. Bon Rose, je vais t'inviter. Ah. Rose, si tu peux commenter s'il te plaît, je vais t'envoyer la demande. Salut Manu. Ah Rose, je t'envoie une demande, Rose. Coucou, Tu vas bien? ça va et toi? Oui, ça va. Alors Comment ça se fait? le défi le plus dur, c'est moi du coup, le plus drôle. Non, pas le plus dur, mais on va vraiment rigoler. Faut que ça tombe sur moi. Ouais. Ok, Comment super. vas-tu? Ça va super et toi? Bah ça va. C'est pas Tu trop fais quoi long? pendant ce confinement? Oh si. Ouais. Écoute, le matin, je déjeune, je fais mon sport le matin. Après, je mange, je révise. Enfin, on essaye de s'occuper. Je fais de la cuisine avec ma maman. Enfin, voilà, on s'occupe. Tu révises du coup ta licence en biologie, c'est ça? Ou c'est Non, encore alors les là, en études fait, cette d'été? année, je passais le bac. En fait, cette année, comme je me suis réorientée, j'ai perdu 2 ans scolairement. Donc Ouais. là, cette année, je passais le bac et du coup, ben, je l'ai eu. Donc tant mieux. Félicitations. Oui, voilà. Et puis là, l'année prochaine, du coup, je rentre en biologie. Ok. Donc voilà. Ouais, toi, tu es. Enfin, le corps humain te fascine, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Bon, je pense que tu as suivi tous les lives depuis lundi. Non. Non? Bah, si, bien évidemment que si. Du coup, bah, le premier jeu, c'est le jeu du portrait chinois. Donc, Ouais. comme depuis lundi, n'hésitez pas à jouer avec nous aussi. Bon, Rose, ta première question. Si tu étais une chanson. Une chanson, sans hésiter, ma chanson préférée, c'est Seven Years Old de Lucas Graham. Il raconte comment il a grandi, qu'il a réalisé son rêve, etc. Donc c'est sans hésiter, c'est celle-là. D'accord. Bah, Voilà. je connais pas. Bah tu l'écouteras, je t'enverrai. Mais elle est trop bien. Elle est trop Si bien. tu Elle veux, est tu peux la douce. chanter en direct. Hein. Non, franchement non. Bah, non, je la connais pas. Mais non, mais elle est trop belle. Alors, si tu étais un bonbon. Un bonbon. C'est des Haribo, mais je sais pas les noms. C'est pas les Dragibus, mais c'est des petites boules et elles sont toutes les couleurs. Mais c'est pas les Dragibus, mais je sais pas le nom. Je suis désolée. Ouais, c'est pareil que les dragibus. Mais en fait, c'est une couleur jaune et une couleur orange collées. Non? Non, 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 non. Ça fait vraiment des petites boules. Bah, vraiment comme ça. Mais Ouais. il y en a des verts, des coca, pommes, etc. Mais je sais pas les noms. Mais il Je me sais semble que que c'est c'est des les Haribo. dragibus, mais les nouveaux, genre les avec les bleus et tout. Non? Il n'y a pas de bleu. Je vois pas de quoi tu parles. J'enverrai, je mettrai en story, s'il faut. Ouais. Des Skittles. Non. Non. Je sais Attends, tu jamais dois le chercher nom. les Je sais commentaires jamais en le même nom. temps. Attends, je vais regarder. Non, Non, c'est je pas sais des pas. Skittles. Non, Des non. Fraisous. Non. Et Bon. ceux-là, c'est vraiment. Bon, au pire, les plus simples, des Coca-Cola. C'est très bon. Aussi, ouais. Ouais, J'adore les bonbons, moi.
Oui, je ramènerai un paquet, Jojo. Il va faire 2 minutes. Je Si tu ramènerai vite. avais ouais. Un instrument de musique. J'ai fait de la guitare petite, mais maintenant je dirais le piano. Je trouve ça magnifique. J'adore le piano. C'est en plus ma cousine, quand je dors chez elle, elle en a un. Je te fais un bisou parce que je sais que t'es là. Et elle me fait, elle m'apprend les musiques de Twilight, Harry Potter, mais j'adore. Voilà, le Moi, piano. si j'avais pu faire un instrument de musique, c'était le piano. Je trouve ça tellement Ah, classe, j'adore, grâce, que j'adore, j'adore, c'est j'adore. ouf. Bon choix. Merci. Si tu étais un bruit, Un bruit. je sais Un pas, un bruit. bruit de voiture, de machine à laver, le sèche-cheveux, un cri. Le bruit des vagues, les remous de la mer. Voilà. Quand on Pourquoi? l'été, quand on s'allonge sur le sable et qu'il y a le remous de la mer, c'est super reposant. Ou alors le chant des oiseaux le matin. Mais faut se réveiller tôt pour entendre le chant des oiseaux. Bah oui, mais moi je me lève pas à 14h, mademoiselle. Bah disons que moi je me c'est vrai, quand je dors chez ma sœur, enfin je suis chez ma sœur, des fois je dors bien, mais la plupart du temps je me réveille quand même pour mon neveu. Mais on regarde la télé le matin. Voilà. Tu dis pas tout, hein. Réveillée. Après, j'ai, enfin, moi, je travaille, du coup, enfin, de base, je fais mon Oui, donc service ouais, c'est civique, pour du ça. coup, c'est un peu long mes journées. Bah ouais. Et puis t'as plus le rythme. Enfin là, on perd le rythme un peu, donc Ah, bon. mais grave, je suis complètement déréglée. Ouais, moi Mais aussi, bon, moi aussi. j'ai hâte qu'on reprenne le petit train-train de vie. Moi aussi. Je peux pas savoir à quel point. Si tu étais un film. Un film. Oui. Mon film préféré étant petite, c'est un film avec Vin Diesel. Il est très vieux, hein. Mais c'est Babysitter. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui le Oui, je connaissent. connais. Ah ben voilà, c'est mon film préféré, je pense, parce que je suis encore fan, et littéralement fan, de Vin Diesel depuis toute petite. Et pour l'anecdote, Acteur de ma ouf. maman, quand je regardais ce film, je mettais en pause quand j'étais petite et je bloquais comme ça devant Vin Diesel. Et voilà. Si, c'est vraiment un grand, grand, grand acteur, lui. Ouais, j'adore. Si tu étais un mois. Un mois, Oui. le mois de juillet, sans hésiter, c'est les journées les plus longues. Et c'est l'été aussi. Aussi, bien évidemment. Je pense que c'est ça le plus important. Oui, voilà, c'est ça, le soleil et tout. Les vacances. Oui. Si tu étais un film d'horreur. Un film d'horreur. T'en as des frissons? Oui, j'en ai des frissons. Conjuring. Je pense que c'est le plus basique et il fait un peu bien peur, donc Conjuring. Il y en a un qui est sorti là il n'y a pas longtemps, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Moi personnellement, les films d'horreur, c'est pas les films que je préfère. Ben ouais, moi non J'en ai plus, donc pas regardé énormément. j'en dis un connu dans le doute. C'est un bon choix. Voilà. Si tu étais un gâteau. Un gâteau. Les tartes, ça marche? Ouais, c'est un gâteau. Ah, bah les tartes aux pommes, sans hésiter. Ça, c'est mon dessert préféré. Ah oui, c'est vrai. J'aime bien aussi les clafoutis aux pommes. Ah ouais. Mais moi, c'est les tartes aux pommes, mais sans le flan. Tu sais, juste avec la compote de pommes et les pommes. Voilà. Ouais, je vois. Si tu étais un bijou. Un bijou? Un Ouais. type de bijou ou un bijou que je porte? Bah, un bijou, un bracelet, des boucles d'oreilles, des bagues, un bracelet à la cheville, enfin vraiment un bijou. Si c'est un type de bijou, c'est les bracelets, j'adore. Mais très fins, les bracelets très fins. Ouais. Mais si c'est un bijou que je porte moi souvent, c'est mes bagues. J'ai toujours mes On a bagues. toujours une C'est bague. les alliances de mon papa. Là, c'est l'alliance de mon papa parce que mes parents sont divorcés.
Et là, c'est celle de ma maman. Et celle-ci, c'est ma grand-mère qui me l'a offert quand j'étais petite. Donc, j'y tiens. Voilà. Oui, moi aussi, c'est la bague de fiançailles de ma mère, celle-là. Bah ouais, moi, ils me les ont offert. Alors, quand je dois Ça les se perd. enlever, ça me fait mal au cœur. Ah ben, un jour, tu vas devoir les remplacer par la tienne, sans doute. Oui, mais c'est pas grave, ce sera une autre bague de fiançailles, mais ce sera la mienne. C'est vrai. Et pour terminer, si tu étais une collection, Une collection? tu sais, une collection de timbres, de fèvres, de cartes Ah! postales, tu sais, une collection, je vois, de parfums, il y en a qui aiment tout ça. Bah, je dirais les timbres, parce que quand j'étais petite, mon frère, il collectionnait beaucoup les timbres. Et du coup, j'adorais fouiller son gros classeur de timbres. Donc, ouais, je dirais les timbres. Ok, bon, cette première partie est terminée. Je me répète tous les jours, mais j'adore parce qu'on apprend vraiment sur les filles. C'est cool, quoi. Ouais, c'est La cool. deuxième partie, les questions mises. Donc, je pose les miennes et après, on va regarder les questions de nos amis présents. Ok. Alors, la première, la basique, comment tu t'es lancée dans le monde des Miss? Alors moi, c'est très simple. Je pense comme beaucoup de personnes, depuis toute petite, j'ai toujours regardé l'élection de Miss France à la télé. C'était un peu, c'est toujours d'ailleurs la tradition. Voilà, tous les ans, on regardait, on attendait ça avec impatience. Et puis, j'ai toujours eu ma grand-mère paternelle et mon grand-père maternel. Qui m'ont toujours, depuis que je suis toute petite, bon, je suis très grande, donc forcément, ça joue aussi, mais ils m'ont toujours dit, ah, oh, plus tard, tu feras les Miss, plus tard, ça sera toi sur scène, tu verras, etc. Donc, si tu veux, j'ai toujours baigné dans ce milieu. Donc, pour moi, c'était un peu logique que je me présente dès que j'en ai eu l'occasion. Et en grandissant, j'ai appris que, voilà, il fallait d'abord passer par des élections locales, puis départementales, puis régionales, etc. Ouais. Et national, pardon. Et du coup, dès que j'ai pu, je me suis présentée à l'élection de Miss Pévèle. Et puis, voilà. En plus, tu Ça a habites à fonctionné. Pével, toi, non? Ouais, Bah, j'habite moi, à Orchies. j'habite. Et Orchies, c'est la capitale de la Pévèle. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment faire l'élection de Miss Pévèle. Donc, voilà. Et tu as réussi. Oui. Raconte-nous un moment gênant. Alors. C'était une élection, je ne saurais plus dire laquelle du tout, mais à chaque début d'élection, Dominique, il nous appelle une à une sur la scène et pour nous Oui. présenter, etc. Et ce jour-là, j'avais choisi une robe bustier, donc sans bretelles. Et je ne sais pas si la robe était trop grande ou si on l'avait simplement mal serrée. Mais au moment où je suis rentrée sur scène et que, au fur et à mesure que j'avançais, ma robe descendait. Et je suis arrivée au bout de scène, ouais, voilà, je suis arrivée en bout de scène où il fallait faire les photos, la pose, etc. Et je tenais ma robe comme ça, et j'étais en mode, oh, il faut que personne ne voit qu'elle tombe. Et après, je suis rentrée, enfin, je me suis mise sur le côté avec les autres Oui. Miss, donc toujours sur scène. Et c'était Emma qui était à côté de moi, et je disais en souriant, c'était comme ça, Emma, ma robe, elle tombe. Et elle m'a dit, oh non! Et elle m'a regardée, et on a fait tant bien que mal, on l'a remontée, mais. Voilà quoi, j'ai perdu ma robe sur scène. Emma l'a dit, elle était sûre que tu allais parler de ça. La Miss Flandre, C'était apparemment. obligé. Miss Flandre, ouais, c'est sûrement ça. Raconte-nous un rituel avant chaque gala. Si tu en as un personnel ou alors toujours groupé. C'est vrai qu'on n'est pas toujours individuel. Ouais, c'est vrai que je reste beaucoup avec toi, enfin avec les filles. Nous, on s'amuse beaucoup. Mais bon, à part le fait qu'on danse à chaque fois, qu'on On rigole, s'échappe. oui, voilà, qu'on s'échauffe à notre façon. C'est vrai qu'au moment, avant de rentrer faire le show, avant de rentrer sur scène et que les lumières sont éteintes, il y en a toujours une qui va lancer un cri et tout le monde va suivre. Donc je pense que je dirais ça, ouais, au moment où on crie avant de rentrer sur scène. C'était Sarah et Camille, là, le Ouais, cri c'est là, ça, je ouais, ne pourrais pas le Camille, faire. ouais. J'ai pas la voix pour faire ce cri-là. Maëva aussi qu'il faisait beaucoup. Maëva, je n'ai pas vraiment connu Ouais, c'est dans. vrai, t'as pas Du coup, connu. moi, j'ai connu Camille et Sarah. Ouais, bah c'était Camille, Sarah, Maëva. Ton meilleur souvenir? Alors, il y en a beaucoup. Mais le plus beau, c'est la première fois qu'on est rentré sur scène à l'élection de Nord-Pas-de-Calais.
Il y avait tellement de charges avec le public, etc. Je me souviens, on est rentrés et sans le vouloir, j'ai aperçu ma famille et sans le vouloir, mes yeux, ils ont pleuré. Je contrôlais absolument rien. Et je me suis dit, contrôle-toi parce qu'il y a ton maquillage. Il faut pas, c'est la première fois qu'on te voit sur scène, il faut pas que tu pleures. Tu as pleuré, Et toi? finalement, bah, en fait, j'ai pas vraiment pleuré, mais Ah, moi, t'as il y eu les avait. larmes aux yeux. Ouais, j'avais Ouais, des pareil. larmes aux yeux, il y avait tellement d'émotions dans la salle, c'était incroyable. Et je pense que c'était le stress aussi qui redescendait. On se disait, ça y est, c'est parti. Et une fois que je suis Impressionnant, hein. sortie de scène, de quoi? C'est impressionnant quand t'es sur scène, t'es dans le Ouais. noir et ça fait, ah, ça crie partout. Ouais, c'était. Il y avait beaucoup de charges. Et puis une fois que je suis sortie de scène, j'ai regardé tout le monde, j'ai croisé Mélina, tout ça, j'ai vu tout le monde pleurer. J'ai dit, bon, c'est bon, c'est normal. C'est normal. Mais ouais, c'est celui-là. Le moment où j'ai vu ma famille, etc., dans le public, ouais, c'est celui-là. Un moment drôle. Un moment drôle. J'en ai un particulier, mais je ne peux pas le raconter. Donc, je fais juste un bisou à Jonathan. Il va savoir que je parle de lui. Mais sinon, j'en ai un autre et il me semble qu'il te concerne toi. J'ai un doute si c'est toi ou Joséphine. C'était pendant la semaine de prépa. On faisait le jeu avec la réalité virtuelle, avec les zombies, là. Oui. Et dans ce jeu, enfin, nous, réellement, on était dans une salle. Et dans ce jeu, les murs étaient délimités par des lignes rouges au sol. Et je ne sais plus si c'est toi ou Joséphine qui a foncé dans le mur tête baissée, enfin, qui n'avait pas vu la ligne et Non, qui a c'est pas moi, foncé c'est dans. Joséphine. C'est Joséphine. Bon, bah, Moi, désolée, Joséphine. j'ai couru partout parce que j'ai pas, enfin, j'étais pas celle qui avait tué le plus de zombies, mais j'étais celle qui avait fait le plus de kilomètres. Et moi, je courais partout, je fonçais dans tout le monde, mais je n'ai pas pris de mur parce que moi, enfin, il y avait les petits trucs rouges là, Oui, c'est ça, mais il y avait les j'ai fait lignes. le plus de kilomètres. Mais j'ai pas vu Joséphine se prendre le mur, mais le bruit était suffisant pour éclater de rire. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était un bon. Je m'en souvenais plus. C'était un bon moment de fou, mais je m'en souvenais plus du tout. Mais qu'est-ce Ah, qu'on moi, ça avait m'a rigolé marqué. Ça m'a par marqué. petits groupes. Oh, je sais pas si Joséphine, elle est là, mais du coup, Je je pense sais que c'est elle parce pas. que moi, il me semble. Oui, bah, c'est elle, elle pleure elle met des Oui, boules. voilà, c'est bon. Mais on avait tellement rigolé. Par contre, ça, j'aimerais trop le refaire. Ouais, moi aussi. Moi aussi. C'était vraiment cool. Si tu devais décrire ton expérience chez les Miss en un seul mot. Pareil, elle pourrait être décrite avec beaucoup de mots, mais personnellement, et ça c'est propre à moi-même, elle a été extrêmement enrichissante. C'est vrai que quand j'ai été élue au début de mon année de Miss Pével, j'étais très renfermée, très timide, j'osais à peine parler aux autres. Enfin voilà, j'étais extrêmement réservée. Et grâce à l'aventure, et tout le monde pourra Le enfin, dire. l'avouer, ouais, voilà, le dire. Mes parents, enfin même Anne-Sophie, je pense, dans le show, mais les personnes de mon comité, que je fais un bisou d'ailleurs s'ils sont là. Mais ça m'a fait énormément grandir et j'ai appris à me connaître aussi, donc ouais, enrichissante. Bah, je pense qu'en fait, tous les mots sont. Ouais, On peut les dire en fait. c'est ça. Quelle est ta ou tes meilleures rencontres, bien sûr, dans l'univers des Miss? Ah! Ça, pareil, il y en a plein! Si je devais en dire une, ça serait ma petite coloc, ça serait ma petite Mélie. C'est vrai que j'ai attaché. Enfin, j'ai lié beaucoup de. Enfin, j'ai lié beaucoup d'amitié avec Mélina. Donc, ça serait Mélina, mais enfin, toi, tu sais que je t'adore. Joséphine, pareil. Enfin, toutes les filles de la promo, je pense qu'elles le savent. Enfin, je vous aime vraiment trop. C'est vrai qu'on a une belle promo quand même Ouais, on a niveau une belle l'amitié, promo. complicité et tout. Ouais, et Enfin, puis c'est bien rare. évidemment, C'est ouais, rare de voir. c'est rare, c'est ça. Et le fait Ah qu'on ben, s'entende je peux le aussi dire. bien, ouais. Mais ouais. Et bien évidemment, la Dream Team, Anne-Sophie, Jonathan, William. Et puis les Dominiques aussi, que je suis très contente d'avoir rencontré. Donc, ouais. Il y a beaucoup de bonnes rencontres. Je vois que Amandine, elle a des vidéos, et ben j'aimerais les voir. Deux, Qu'on j'ai rigole, pas les vu. vidéos de quand on faisait le jeu des zombies. Ah! Et Dominique, il a dit, vous referez le parcours zombie. Alors là, Dominique, je note, Ah!
Il fallait pas nous le dire, Dominique. Franchement, non, sérieusement, Dominique, refaire une après-midi comme ça avec la promo entre nous, ça pourrait être vraiment, vraiment cool parce Ouais, qu'on ça avait serait super cool. tellement rigolé. C'était tellement un moment délire. Il n'y a Ah pas d'autre mot, ouais, délire, où c'était on se trop, moquait trop les unes bien. des autres, mais ça serait cool de le refaire. Carrément. Qu'est-ce que l'aventure Miss France t'a apporté dans ta vie personnelle? Bah, comme je le disais, je me suis découverte, j'ai pris confiance en moi, j'ai grandi. Enfin, c'est vraiment un travail sur moi-même que ça m'a apporté. Ça m'a fait grandir. Bah, nous, on était les plus jeunes. Ouais, c'est ça. C'était. Toi, t'es du combien de septembre? 23. Voilà, c'était Jo, toi et moi, on était les plus jeunes. Et au final, je pense que on est. On a, enfin, toutes les filles ont grandi, mais je pense qu'on est les trois à avoir quand même le plus grandi, vu qu'on était Ouais, les c'est plus ça. jeunes. C'est ça, c'est Et ça. le fait d'être avec des filles qui. Parce que là, il y en a certaines qui avaient de l'expérience. Ça aide aussi, mais du coup, le fait qu'on était jeunes toutes les trois, c'est pour ça qu'aussi on a eu des petites. Voilà, on s'est attachés et tout ça. Et ben, on Oui. a grandi ensemble, je trouve aussi. Et Ouais, puis même c'est encore maintenant. Et du coup, maintenant, vu qu'il y a des plus jeunes qui arrivent, ça. et ben, c'est nous qui les aidons, je pense, aux petites nouvelles. Mais Ouais. c'est cool. C'est vrai qu'on grandit énormément et seul, mais accompagné aussi. C'est ça, c'est ça. Et puis on apprend aussi à se connaître, on découvre des nouvelles passions. Ah oui. Enfin voilà, ouais, non, c'est une belle aventure. Carrément. Et la dernière question, quel conseil donnerais-tu aux filles qui aimeraient se présenter? Ben, c'est un peu la même réponse que Sarah, Jo et Amandine, mais c'est vraiment de rester soi-même. Il ne faut pas s'inventer une personnalité parce que justement, c'est nos différences qui font qu'on se souvient de nous, etc. Donc, ouais, si on a une petite différence ou quelque chose qui change des autres filles, ben justement, faut l'assumer et il faut jouer là-dessus aussi parce que ça va nous différencier. On va se souvenir de nous grâce à ce petit truc-là en plus. Donc, faut rester nous-mêmes, en fait, tout simplement. C'est vrai que moi, je suis tout à fait d'accord. Bon, maintenant, on va répondre aux questions de nos amis. Est-ce que vous Oh, avez j'ai des... cru que c'était le défi. Non. Dans quelques minutes. Du coup, si vous avez des questions à nous poser, on va y répondre. Ouais, je vais regarder. Moi, je lis un peu en même temps. Ouais. Alors, Rose, tu vas te représenter à Miss Nord-Pas-de-Calais? Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours été franche et honnête là-dessus. Je souhaite vraiment me représenter si c'est possible. Donc ouais, c'est vraiment enfin, j'aimerais vraiment retenter l'aventure si c'est possible. Donc oui. Alors apparemment, tes bonbons, c'est les Mao Croquis. Ouais, je pense. Ah, c'est Camille. Bisous, Camille. Mais franchement, je sais plus. Il faudrait que je regarde. J'ai pas le nom en tête. Je regarderai et je confirmerai tout à l'heure. Florentine, vas-tu recevoir Miss Hasbrook si oui quand? Je pense que là, vous avez peut-être remarqué qu'on fait dans l'ordre des filles. Bon, là, c'était facile, c'est les dauphines. Mais bien sûr, les nouvelles arriveront en dernière. Donc, ce sera la semaine prochaine. Mais je vais recevoir toutes les Miss de la promo cette année et qui vont faire les shows. Donc, ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Là, j'en ai une. Est-ce que vous avez des regrets dans votre aventure? Moi, non, pas du tout. J'en ai aucun. Aucune. Ouais, j'ai aucun regret du tout. Peut-être le. Non, c'est même pas un regret en fait. On était jeunes, mais justement, on a énormément grandi en fait. Ben ouais, et puis moi, c'était vraiment le moment où j'avais besoin de ça. Enfin, voilà, j'avais Ouais, une voilà, période un pareil. peu compliquée et j'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là. Donc non, moi, je ne regrette pas de m'être C'est présentée vrai que quand si tôt. t'es pas. Je pense que beaucoup de jeunes femmes vont se reconnaître dans ce qu'on va dire. C'est vrai, quand t'as une période de ta vie qui est compliquée, que. Ben, ça va être plus de la vie personnelle, vie intime, mais quand il t'arrive une période où en fait, tu as besoin de repères, tu as besoin de quelque chose pour t'évader, de te retrouver, de changer d'horizon et de surtout, je pense, apprendre à te connaître, et bien franchement, les Miss, c'est ça peut être dur au début, mais quand on a
enfin, de bonnes personnes autour de soi, un bon comité. Moi, bon, j'ai pas la chance de les connaître énormément, mon comité d'Incarquois de ma locale, puisque bah, 3 semaines après, j'étais dans le Ouais, c'est Pas-de-Calais. sûr, t'as Mais été, ouais. le soir même, c'est voilà, on est ensemble, je suis quand même en contact avec eux, ils viennent, et puis il y a Nord Pas-de-Calais, donc toutes les filles, la Dream Team. Et même quand tu as un problème dans ta vie personnelle et que tu trouves pas réconfort ben, auprès de tes proches, ou que tu as un peu honte d'en parler avec eux, et ben tu sais qu'il y a une autre famille. Et en fait, cette Ouais, c'est famille, c'est le ça. Nord Pas-de-Calais. Et en fait, je trouve ça super beau. Et ça peut aider des jeunes femmes en difficulté. C'est vrai, parce que moi, ça m'a vraiment sorti, ça m'a fait, ça, enfin, je me suis découverte du coup, et ça m'a vraiment sorti de cette petite bulle qui, de mon quotidien qui n'allait plus très bien, etc. Et bon, rien de grave, hein, mais enfin voilà, ça, on s'évade en fait dans ce monde, et puis C'est ça. on se construit nous-mêmes aussi, comme du coup on était jeunes, et ben ça nous aide, donc non, franchement, Puis c'est bah, une quand belle tu es aventure. sur scène, c'est toi et rien que toi, tu vois. Le Voilà. autour, bah, tu t'en fiches, il faut faire abstraction, et c'est important de penser à soi. Exactement. Alors, donc les regrets, donc non. Alors, as-tu rencontré beaucoup de Miss France avant ton élection de Miss Pével? Avant l'élection de Miss Pével, enfin, il me semble que j'en avais rencontré aucune. Je les ai rencontrées justement Avant grâce celui-là. au. Ouais, bah ouais, franchement, ouais, à part si on va à une élection, etc. Mais non, 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 j'avais pas rencontré de Miss France avant mon élection. Je les ai toutes rencontrées d'ailleurs en gala ou grâce à des événements, etc. Alors, Florentine, est-ce que tu réponds toujours aux lettres? Bisous, Naomi. J'ai répondu à toutes les lettres que j'ai eues, mais c'est Dominique qui reçoit les lettres. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Donc, c'était aux étrennes d'Emmy. Ça remonte en janvier. Du coup, du fait que je ne le vois pas, bah, j'ai pas reçu les lettres. Donc, quand je verrai Dominique, il me donnera les lettres et j'y répondrai. Sarah a hâte de passer au défi. Florentine, est-ce que tu peux te représenter à nouveau à l'élection Mister Pas-de-Calais? Non, parce que la régionale, si on a été, si on a eu le titre, donc là en l'occurrence, je suis la Miss Nord Pas-de-Calais actuelle, c'est une seule fois, donc je ne pourrai pas me représenter l'année prochaine ou dans les années à venir. Oh, il y a beaucoup de questions qui me, enfin, de Ta Miss personnes qui France me demandent si préférée, je. Rose? Ma Miss France préférée, Camille Serre. Je l'adore. Enfin, elle est spontanée, elle est Elle reçoit. naturelle. Ouais, franchement, ouais. Et puis, c'est la première Nord Pas-de-Calais aussi, donc. Ouais. Moi, je vais répondre. Mais moi, les trois, du fait que j'ai pu les connaître, Ouais, c'est vrai, bah les oui, trois sont tu les tout à côtoies. fait différentes. Celle, on va dire, avec qui je suis le plus en contact, c'est Maëva. Mais oui, Camille, c'est une très belle fille au naturel. Iris, elle a un parcours. Juste Incroyable. magique, incroyable, c'est une fille incroyable, c'est une belle fille aussi, au naturel, comme avec des artifices, tout comme Maëva. Maëva, elle a une certaine façon aussi d'aborder les choses et de venir discuter avec toi qui, elle te met à l'aise directement. Ouais, c'est ça, elle est très très sociable. Et Maëva, j'ai pu bien, enfin, quand même bien échanger avec elle, et c'est vrai que je l'adore énormément, Maëva. Est-ce que je vais reprendre le basket? Alors, c'est vrai que j'ai fait 9 ans de basket. J'ai arrêté le basket justement parce que je rentrais dans les miss. Donc, j'avais des matchs le week-end et j'avais les galas aussi. Et le choix a été très vite fait. Donc, j'ai choisi les miss. Donc, j'ai arrêté le basket. Donc, donc maintenant, je fais du fitness en salle de sport. Et donc, je me suis découvert une nouvelle passion pour le fitness. Donc, non, je ne reprendrai pas le basket. Ou du moins, pour J'ai l'instant, vu qu'il y avait je pense. Charlotte. Je te fais de gros bisous, Charlotte.
Avais-tu préparé ton discours de la régionale? Moi, oui, et je pense toutes les filles. Et d'ailleurs, c'est très, très important de préparer un discours parce que quand tu arrives devant 5000 personnes, crois-moi que déjà le discours que tu as préparé dans ta tête, il est tout mélangé. Oui. Là, tu fais bien. Donc, c'est très, même à une élection locale, hein, c'est très important de préparer ton discours. C'est franchement, c'est une chose primordiale. Ouais, moi j'avais préparé aussi, beaucoup Ah, il faut, hein, préparé. J'avais bien préparé. De quoi? il faut, hein. Bah oui, carrément. C'est sûr. Votre Miss Nord-Pas-de-Calais préférée s'est sortie plusieurs fois. Moi, je dirais Annabelle. Moi, ben moi j'en Je ai la pas trouve. vraiment. Enfin, Oh, moi, je dirais on les Annabelle. connaît Je la trouve. toutes. Du coup, Ouais, bah du fait qu'on oui. les connaît toutes, moi je peux pas choisir en fait. Là, on me demande Miss France, je peux pas Ouais, c'est choisir. sûr. Nord-Pas-de-Calais encore moins. Puisque Annabelle, on la connaît, c'est ma marraine deux fois, de Dunkerquois et de Ah oui, Nord-Pas-de-Calais. c'est vrai. Maëva, c'est une belle personne. Laurine aussi, donc je suis en contact avec elle. Voilà, Iris, Camille, tout ça. Et en fait, même au-delà, c'est énormément. Même Charlotte, qui a été la première Miss de Dominique, donc ça remonte énormément. C'est une maman aujourd'hui, mais moi, pour moi, c'est impossible. Bah moi, je pense que c'est parce que quand j'ai commencé l'aventure, tu sais, c'était la Miss en titre de Nord-Pas-de-Calais, c'était Annabelle. Et puis, je la trouve tellement charismatique. Enfin, quand elle est sur scène, vraiment, on la voit. Enfin, tu vois, elle est là. Donc, ouais, une petite préférence C'est une pour. showgirl, hein? Ouais, voilà, c'est ça. Pour Annabelle. Mais je pense que c'est parce que aussi. Enfin, tu vois, je connais pas Iris, tout ça. Donc, voilà, mais. Ouais. Un titre. J'ai vu Florentine. Est-ce que tu faisais de la photo avant de faire l'émission? Oui, j'en ai fait un petit peu. J'avais arrêté pendant à peu près 2 ans. Et là, c'est peut-être dans. Enfin, je repense peut-être à en refaire parce qu'avec les Miss, j'ai redécouvert et franchement, j'adore. Combien on me... Enfin, notre taille, il demande. Moi, je fais 1,80 m. Et moi, 1,78 m. Y a beaucoup de questions aujourd'hui. Oh, il y a ma maman. Maman, je t'envoie des cœurs aussi. Ça va vite. Moi aussi, il y en a tellement que ça bug. Elles sont toutes belles, les Miss Nord-Pas-de-Calais. Comment c'est possible? Ben, on est une belle région avec de belles femmes, avec de belles jeunes femmes aussi, de belles mamans, vraiment dans la femme en général, le Nord-Pas-de-Calais, sont très très belles. Et on a de la chance. Oui. Là, j'ai une question pour toi, si tu veux. Ouais. Est-ce que tu faisais de la photo avant de faire les Miss? J'y ai répondu déjà. Ah, pardon, C'est pas excuse-moi. grave. T'es loin? Bah oui, parce que t'as dit que justement, tu t'adorais ça encore plus. Oh là là! Bon, moi, je suis arrivée en bas. C'est bon. Bah ouais, moi je remontais petit à petit. Donc, combien de Regarde, fois une voilà. Miss peut repasser le concours On a la régional? même. Du coup, ouais, c'est 3 fois. 3 fois maximum. Florentine, fais pas un défi trop dur pour Rose. Non, ça va, mais c'est tellement drôle. J'ai pas Bon. envie. Les autres comités sont jaloux. Bah, écoutez, hein, faut venir dans le nord. Hein. Voilà, faut déménager, puis c'est tout. Bon, bah, on va juste répondre à la dernière question. Vos études. Moi, j'ai eu un bac accompagnement soins et services à la personne. Donc, c'est dans le sanitaire et social. J'ai découvert la personne adulte, la personne âgée et l'enfant. J'ai pu faire et la personne en situation de handicap.
Du coup, j'ai pu faire un stage en AFEJ. C'était un internat. J'ai toujours adoré. Dès que je suis rentrée au lycée, en fait, il y avait une classe Ulysse où il y avait des trisomiques, un autiste, des dyslexiques, des dyscalculiques, tout ça. Et avec les deux trisomiques qu'il y avait, c'était Paul et Elena. J'ai tissé un lien. C'était juste magnifique. Je peux même pas expliquer parce que c'est tellement énorme. Et je me suis dit, ah, je veux approfondir. Et moi, pour l'instant, j'ai pas repris mes études tout de suite. Je pense que je vais les reprendre l'année prochaine encore. Mais j'aimerais devenir éducatrice spécialisée pour travailler avec les personnes en situation de handicap. Mais en même temps, c'est avec les femmes victimes de violences conjugales. Et pour terminer, j'aimerais finir dans la PJJ. Donc, c'est la protection judiciaire de la jeunesse pour aider les jeunes qui souffrent. Donc, ce qu'on discutait tout à l'heure, en foyer ou même intervenir à domicile pour pouvoir les aider au mieux. C'est bien, c'est un beau métier. Ouais, J'adore mais ton je me donne métier. un peu le temps. Et là, actuellement, T'as raison. quand je suis rentrée, j'ai contacté une école dans laquelle j'étais. J'ai effectué plein de stages, une école maternelle où j'habite, et je fais mon service civique avec des enfants entre 3 et 5 ans. Et j'adore. Bah tant mieux, bah au moins t'as trouvé ta voie, c'est ça le Ouais. principal. C'est dur de trouver Ouais. parce que je suis pas très scolaire, j'ai jamais été scolaire. Mais une fois rentrée au lycée, quand tu choisis ta voie, que tu peux enfin choisir ta voie, c'est pas que du général, parce que moi j'ai choisi du pro. Bah en fait, tu peux que réussir. Ouais, oui, c'est ça. Ben, moi, pareil. Du coup, j'ai un diplôme dans le monde de l'esthétique. J'ai fait 3 ans d'esthétique. J'ai fait aussi une année en alternance. Donc, j'ai travaillé pendant un an. Mais j'ai décidé de me réorienter. Donc, je suis repartie dans des études sanitaires et sociales. Donc, j'ai pas passé un bac ST2S pour ensuite me diriger vers une licence en biologie. Et j'aimerais plus tard enseigner la biologie humaine. C'est très beau. En fait, là, j'ai rigolé parce qu'il y a un monsieur qui a commenté vite le début, après j'ai piscine. Allez-y, allez-y, on va couper le live là, c'est. Alors, du coup, on a répondu à la dernière question. Rose. Oui. Alors, est-ce que enfin, j'ai besoin de quelqu'un pour qu'on te filme? Maman. Maman, je sais que tu regardes. Alors, tu vas Venir. devoir te mettre une culotte sur la tête. Ouais. Je le fais là maintenant ou j'attends? Bon, tu peux attendre que ta maman arrive. Ouais. Ou une culotte de maille blanc, quoi. Et en 30 secondes, tu vas devoir enfiler le maximum de vêtements. Ensuite, tu vas devoir te diriger vers ta cour en chantant le French Cancan. C'est quoi déjà la chanson du French Cancan? Bah, moi je connais pas les paroles, mais tu fais nanana. Tu fredonnes. Et D'accord. ensuite, tu vas nous le danser dans ton jardin. Donc en fait, je descends des affaires et tout ça. Tu fais ce que tu veux, comme tu souhaites. Bon, déjà, je crois que ma maman n'a pas reçu l'appel. Je pense que tu peux peut-être commencer dans ta chambre pour les habits et en descendant Ouais. jusque dans ta cour, tu vas nous chanter le French Cancan. Du coup, ta maman, si elle peut te suivre. Ah, je crois qu'elle arrive, attends, je l'entends. Comment elle s'appelle déjà ta maman? Dominique. Dominique. Encore une Dominique! Bah oui, il y en a 3. Non, chaud le défi, ça va. C'est drôle. J'ai hâte Attends, de voir. attends, je vais l'appeler. Avec la. J'ai besoin de toi. C'est bon, elle est là. Bonjour Allô. Dominique. Coucou. Elle te dit coucou. Mais J'espère que non, on ne vous se voit allez pas là, bien. c'est on voit moi. Je le tiens comment? Comme ça. Donc dis-moi, là je mets une culotte sur ma tête. Ouais. Ok. Attends, bouge pas, je vais chercher une culotte. Tu joues à la poupée, Rose, MDR, tu la Sarah. Ensuite. Alors, je vais compter jusque 30 et tu vas devoir enfiler le maximum de vêtements. Mais ça serait cool qu'on te voie en entier.
Ah. Volontaire, pardon. Oh, mais j'ai pas une très grande chambre. Ah, comme ça. C'est un peu mieux. Donc, prépare tout plein de vêtements sur ton lit et je vais compter jusqu'à 30. Attends. Attends. Si on peut juste abaisser le téléphone, Dominique, s'il vous plaît. Ouais, abaisse-le. Ouais, là, c'est parfait. Nickel. Merci beaucoup. Bon, vas-y. Des trucs simples pour en mettre le maximum, hein. Tu sais, des robes, des t-shirts, des tirs, des shorts. Ouais, mais j'ai pas mes robes parce que mes parents sont divorcés, donc mes robes sont chez mon papa, donc là c'est j'ai que des pulls. Eh ben, tu mets le maximum de pulls. Je vais mettre un jean, laisse tomber, je vais trouver. T'es prête? Vas-y. Allez, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Dépêche, hein? 4, Eh oh, hein? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, C'est 20, pas comme ça. 21, 22, 23, 24. Oui, je suis d'accord avec toi, Juline, plus vite. Oui, va plus vite. 24 et demi, 25, 26, Je peux plus. 27, 28. Un petit dernier. J'ai plus rien, vraiment, j'ai plus rien. Et 30. Déjà, je ressemble à rien. Rajoute 30 secondes, Sarah, elle dit, bon, bah, elle n'a pas vraiment de vêtements, donc c'est déjà bien. Et puis, on veut t'entendre chanter le Ouais. French Cancan, et après, tu vas nous faire une merveilleuse danse du French Cancan. Et si tu veux, je te chanterai. Donc là, je chante juste et je danse. Bah, tu vas descendre dans ton jardin, tu vas jusque dans ton jardin en chantant le French Cancan. Et Avec ensuite, cette magnifique culotte sur la tête. bien sûr. Bien sûr. Bien On évidemment. n'en a de rien dans le Nord. Le ridicule ne tue pas. Et Bon. je pense que quand ça va être mon tour, Ah, tu bien. vas souffrir, hein. Oui, très clairement, tu vas souffrir. Moi, j'ai hâte. Alors, j'ai un jean, une jupe, Allez, non. deux t-shirts. Bah, attends, j'arrive dehors. Ah, mais il fallait aller dehors en chantant. Oh, en plus, il C'est y a pas mes grave. voisins. On s'en fiche. Allez. Je danse et je chante? Ouais, dans ses sens. C'est bon? Encore un petit peu, c'était drôle. Et pour les Baisse un voisins. peu. Baisse un peu. Voilà, un pur régal. Je suis très fan de cette danse. Ben oui, parce que tu. Enfin, c'est pas facile, il faut le grand écart. Mais Ouais. très bien. Bon. Bon, ça Ça tue à t'a sa plu? fin. Oui. Mais ça m'a fait plaisir de te voir. Oui, moi Même si on est en aussi. contact tous les jours et tout, mais ça me fait plaisir de te voir. Ouais. Prends soin de toi, avec ta maman. Faites Oui, toi attention aussi. à vous toutes les deux. Et puis, Toi j'espère qu'on se aussi. reverra bientôt, que la situation va très vite se rétablir. Ah oui, et la roue, Manuel dit, fais-nous la Je roue. sais pas faire la roue. Je sais pas faire la roue. Je te promets, j'ai jamais su faire la roue. Essaye. Ma maman peut la peut le. C'est vrai? C'est vrai. Voilà, c'est Une vrai. pirouette. Une pirouette. Bah vas-y, je suis plus à ça près. Hein. Avec la culotte sur la J'en ai tête. tout. Je peux pas. Dans l'herbe. Est-ce qu'on me voit si je vais là? Impeccable. Parfait. Non, mais voilà. C'était un bon moment, c'était un Oui. bon moment de plaisir aussi. Et voilà, bon, de toute façon, on se revoit très très vite. Oui, dès que le Et confinement est levé, boum. On oui, va on fait chez Jo dans sa piscine. une boule partie. On va refaire tous les gages tout ensemble. Tu vas refaire tous les gages. Non.
Bon, je te fais plein de bisous, ma Rose. Oui, moi aussi. Gros bisous et pas à bientôt. Bisous, bisous.